je serai toujours debout pour Bertrand Zibi. Bertrand Zibi ne mérite pas d'être derrière les barreaux. Non, stop. La libération de Bertrand Zibi doit se faire. Oui, oui. Tous debout pour Bertrand Zibi, ouais. Pourquoi emprisonner un grand homme comme Bertrand Zibi qui n'a rien fait? Il ne doit rien. Il ne doit rien à Ali Bongo XPD. Le message est clair. Where's my phone to look, Tétan? I need a passport. Tous debout pour Bertrand Zibi. Bertrand Zibi mérite d'être libéré derrière les barreaux. Je serai toujours debout, moi le tien, africain, Georges Passy, toujours debout pour Bertrand Zibi, ainsi que tous les autres prisonniers politiques dans la prison de la mort à Libreville. Les détenus sont abandonnés à eux-mêmes. Ils n'ont pas de couverture, ils n'ont pas de draps, ils n'ont pas de matelas. Abandonnés à eux-mêmes, ça fait mal. Quand on leur amène la viande, on leur jette cela en plein sol. Quand on les amène du poulet, on leur jette ça en plein sol. Où est le droit de l'homme? Y'a pas. Y'a pas. Avec Ali, Bongo XPD, y'a pas. Y'en a marre. Les systèmes des enfoirés de merde, des bongoïstes, tuent immensément au Gabon. Y'en a marre. Où est la vraie libération? Où est la vraie liberté au Gabon? Y'a pas. Les prisonniers sont abandonnés à eux-mêmes. Mais oui, ils n'ont pas de matelas. Ils n'ont pas de couverture. Ils n'ont rien. Abandonnés à eux-mêmes. Alors, pour avoir des petits fourneaux pour pouvoir préparer, ils coupent des pots de peinture qu'on leur jette dans les prisons. Ils coupent, ils font des trous. Et c'est là où ils mettent les branches d'arbres ou des planchers secs. Ils mettent pour pouvoir cuisiner. Le plastique en prison, c'est de l'or. Car en prison, ils n'ont pas de pétrole. Ils n'ont même pas de couteau. Alors, les prisonniers, pour couper la viande, ils doivent prendre une canette bien roulée et c'est avec ça qu'ils coupent les planchers ou qu'ils coupent le poulet ou la viande. Les prisonniers sont abandonnés à eux-mêmes. Mais il y a pas mal de maladies dans la cellule au Gabon. Il y a de tout. Ils mélangent les jeunes dans la prison, des jeunes gabonais avec des vieux. Alors, les jeunes étudiants qui mélangent avec des vieux, il y a pas mal qui se font violenter sexuellement. Parce que le programme de Ali, c'est de faire du Gabon le sol des viols. Oui, Ali est un enfoiré. Un vrai enfoiré. Oui. Remix. Y'en a marre. Je suis le tiers africain Georges Passy, du Congo Brazzaville. Je ne suis pas un Biafra comme Ali. Ali Bongo XPD, c'est un Biafra. Ali XPD est un Biafra. Même s'il me coupe, je ferai toujours le tube. Bon. Voilà. Ça fait mal.
ça fait mal, ça fait mal. Tentative de... Mais attends, depuis c'est ça, un feu que me couper, je ne sais pas pourquoi. C'est le tube de Bertrand Zibi que je veux faire. Pourquoi on me coupe et on me coupe? Non, ils sont contre Bertrand Zibi. Ils sont contre, ignorés. Supprimer? Je vais reprendre. Personne ne peut m'interdire de faire ce que je dois faire. Non, il faut arrêter. Je choix traiting, mais à ton like. Bertrand Zibi. Qui peut attaquer Bertrand Zibi? Mais moi je dis, arrêtez d'embêter Bertrand Zibi. Bertrand Zibi, le meilleur, c'est Bertrand Zibi. Le meilleur, c'est Bertrand Zibi. Le système sera vaincu parce que nous, on l'a décidé pour en découdre avec ceux qui ont gardé Bertrand Zibi dans la cellule de la mort. Et Bertrand Zibi sortira un jour coûte que coûte. Est-ce que moi, Luthier, j'ai la tête pour plaisanter? Non. Non. Est-ce que moi, Luthier, j'ai la tête pour plaisanter? Non. Bertrand Zibi, jusqu'au bout. Bertrand Zibi, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. La détermination, coûte que coûte, debout pour Bertrand Zibi.
peuple gabonais, tous debout pour Bertrand Zibi, tous debout pour tous les prisonniers politiques arrêtés illégalement par le Biafra de merde, XX, Ali Bongo, XPD. Le message est clair. Tous debout, 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 pour revendiquer le droit de Bertrand Zibi qu'il sorte de la cellule de la mort. Nous serons toujours debout avec Bertrand Zibi. Yes, Bertrand Zibi, dehors. Nous serons toujours debout pour Bertrand Zibi. Bertrand Zibi, lui, dehors. Yes, yes. Tous debout pour les prisonniers politiques arrêtés illégalement par le Biafra, imposteur, voleur de l'élection présidentielle au Gabon. Car Ali Bongo, XPD, doit avoir ce qu'on appelle correction directe. Ali Bongo a tellement fait souffrir le peuple gabonais, pire que son père. Mais je me pose la question, pourquoi Omar Bongo a élevé cet enfant enfoiré de merde? Bertrand Zibi, tous debout pour Bertrand Zibi, jusqu'au bout. Bertrand Zibi, tous debout pour Bertrand Zibi. Yes. Bertrand. Bertrand Zibi. Un vrai député qui a laissé sa chemise de député pour rejoindre le peuple gabonais. Il a eu pitié de ce peuple qui a été tellement martyrisé par le système des bongoïstes. Bertrand Zibi est un homme vaillant, un guerrier, l'esprit, caractère, tout des peuples bantous. Laisserons-nous Bertrand Zibi derrière les barreaux, tomber gravement malade et décéder? Non, peuple gabonais. Tous debout pour Bertrand Zibi. Remix. C'est parti. Pour Bertrand Zibi, jusqu'au bout. Pour Bertrand Zibi, jusqu'au bout. Pour tous les prisonniers politiques, jusqu'au bout. Yes, we can't. Pour tous les prisonniers politiques emprisonnés illégalement au Gabon. Yes, we can't. Tous debout pour Bertrand Zibi. Ainsi que tous les hommes politiques arrêtés illégalement. Tous debout pour Bertrand Zibi. 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 Y'en a marre qu'on puisse arrêter des gens illégalement au Gabon parce que ce sont des opposants. On va où? La politique française est une politique des barbares. Barbares qui est égal. Crime contre l'humanité. Les commandes de l'arrestation de Bertrand Zibi ainsi que des autres opposants politiques viennent depuis de l'Élysée. L'Élysée complice toujours des arrestations illégales au Gabon. L'Élysée. Les hélicos qui avaient tiré dans le QG de Jean-Pierre, pilotés par des soldats de l'armée française. À 100, 200 mètres, les soldats français ont assisté à tous les massacres
du peuple gabonais tués parce qu'ils protestaient, c'est pas normal. Quand les peuples se lèvent pour une démocratie réelle, pourquoi tuer le peuple qui sont nus? Ce qui s'est passé au Gabon, exactement, ce qui s'est déroulé, s'est passé en Côte d'Ivoire ou au Congo-Brazzaville chez moi. Voilà. Alors Ali, tu vois Ali Bongo XPD. Toi, tu n'as pas de terre, mais moi, le tien, j'ai une terre. Le Congo-Brazzaville. Mais toi, c'est où, Ali? Tu refuses d'être un Biafra. Tu refuses. Mais tu es quoi? Tu n'es pas gabonais. Arrête de mentir, tu n'as aucun acte de naissance. Tu n'es pas né à l'hôpital au Gabon, mais tu es né dehors du Gabon. Je veux te dire où? Chez les Biafra. Tu es un Nigérien, mais accepte Ali. Regarde même ton atout. Hein? Regarde même comment tu t'habilles. Tu ne ressembles pas à un Gabonais. Le Gabonais, quand on le regarde, il y a le caractère bantou chez le Gabonais. Mais toi, il n'y a rien, Ali. Tu n'es pas un Gabonais. Tu n'es pas un Gabonais. Arrête de mentir. Remix pour les prisonniers politiques au Gabon. La libération coûte que coûte sera faite. Tous debout pour Bertrand Zibi. Est-ce que Bertrand Zibi mérite d'être derrière les barreaux? Mérite d'être abandonné à lui-même? Je dis non. Est-ce que tous les prisonniers gabonais méritent d'être emprisonnés et laissés à eux-mêmes? Je dis non. Au Gabon. Au Gabon. Les détenus sont abandonnés à eux-mêmes. Est-ce que c'est normal? Je dis non. Je dis non, justice doit être faite. La justice doit être faite pour tous les prisonniers arrêtés illégalement. Cette justice doit être faite. Y'en a marre, y'en a marre. Ils ont arrêté Bertrand Zibi illégalement. Ils ont arrêté également pas mal des jeunes opposants illégalement. Ali Bongo est un enfoiré de merde. Et pendant ce temps, l'enfoiré de merde appelle les Gabonais de venir aux législatives. Et les Gabonais tarés, soi-disant des diplômés, mais ils ne sont pas diplômés. Ils ont des diplômes de théâtre, oui. Des enfoirés de merde qui veulent accompagner Ali aux législatives parce qu'ils ont besoin des enveloppes kaki de l'enfoiré de merde. Les Gabonais font tellement honte la plupart. Ils aiment le fric facile. Les enveloppes kaki. L'argent facile. Ils veulent le fric facile. Alors, pour eux, l'affaire de Bertrand Zibi, dans une cellule, ça ne les inquiète pas. Pour eux, l'affaire des autres prisonniers politiques, dans la prison à Libreville, ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est courir comme des Tom Sawyer pour les législatives. Tous des enfoirés. Ils se disent être députés, ils pourront faire quelque chose pour les peuples gabonais. Mais en réalité, c'est faux. Tous ceux qui vont courir aux législatives, ils courent pour leur ventre. Ils courent pour leur ventre. La vérité doit être dite. La vérité doit être dite. La vérité doit être dite. Tous, debout pour Bertrand Zibi. Je serai toujours debout pour ce grand homme vaillant. Ce grand homme vaillant qui a immensément fait
pour le peuple gabonais. Il a jeté sa chemise de député, il a préféré laisser tous ses droits de privilège pour suivre le peuple gabonais. Bertrand Siby, à ne jamais oublier, à ne jamais oublier. Il ne doit pas être toujours derrière les barreaux d'Ali Bongo. Ali Bongo XPD. Si Bertrand Siby continue à être enfermé, c'est pas bon. Il est en mauvaise situation de santé. Il doit sortir immédiatement. Peuple gabonais, tous doivent être déterminés pour se lever pour Bertrand Siby. Ne laissons pas Bertrand Siby derrière le chemin de la mort, mais tous debout pour Bertrand Siby, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tous debout pour Bertrand Siby. Le message est clair. Tous debout pour lui. C'est un grand homme. C'est un grand homme. C'est un grand homme. C'est un grand homme. Bertrand Siby est un grand homme. On ne peut pas l'abandonner derrière. On ne peut pas l'abandonner derrière les murs. Non. Tous debout pour Bertrand Siby. On ne peut pas le laisser derrière les murs. Non. Tous debout pour Bertrand Siby. L'homme du peuple. Je n'abandonnerai jamais Bertrand Siby. Je serai toujours debout. Je n'abandonnerai jamais Bertrand Siby. Je serai toujours debout. Bertrand Siby. Tous debout. Je n'abandonnerai jamais Bertrand Siby. Je ne l'abandonnerai jamais. Oui. Tous debout pour Bertrand Siby. Bertrand Siby. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Bertrand Siby mérite. Il mérite que nous soyons toujours debout pour lui. Je serai toujours debout pour Bertrand Siby. Je serai toujours debout pour les autres prisonniers gabonais. Les prisonniers gabonais arrêtés illégalement. Parce que ils n'ont pas voulu suivre Ali Bongo XPD. Le tueur du peuple gabonais. Ali tue immensement. Ali. Ali tue immensement. Le peuple gabonais ne doit rien du tout à l'enfoiré de merde psychopathe Ali. Le peuple gabonais ne doit rien au psychopathe Ali. Tous debout pour la libération immédiate de Bertrand Siby et de tout le reste des prisonniers gabonais. C'est un droit. Gabonais, c'est votre frère, le résistant Georges Passy, qui vous appelle. Tous debout, avec les drapeaux gabonais, tous debout, exigeons la libération de Bertrand Siby et de tous les prisonniers gabonais. Je n'ai pas le temps de continuer à regarder la scène de la comédie d'un enfoiré de merde qui n'a jamais gagné aux élections. Ali Bongo XPD doit être arrêté immédiatement. Car Ali est une menace. Il tue le peuple gabonais plus que le virus Ebola. Il tue le peuple gabonais plus que le virus du sida. Il tue le peuple gabonais plus que le paludisme. Oui. Dernier tube, après je mets fin à ce clip. Voilà. Pour faire certaines musiques
pour demander la libération de Bertrand Zibi. La plupart des Gabonais n'ont pas le temps. Mais ils sont sur leur téléphone ou leur tablette en train de regarder les films d'adultes. Mais pendant ce temps, Bertrand Zibi est en prison. En prison, ainsi que des jeunes Gabonais qui ont sacrifié leur vie pour la libération du Gabon. Mes peuples gabonais, si vous ne faites rien, vous êtes complices. Ceux qui restent dans le silence sont complices avec Ali. Voilà, le message est clair. Car Ali Bongo XPD n'est pas un Gabonais, mais un enfoiré de merde. Un psychopathe. Moi, le tiers africain, je serai toujours debout pour mes frères gabonais. Je serai toujours debout pour mes sœurs gabonaises. Jusqu'au bout. Ali Bongo XPD refuse même de l'eau potable au peuple gabonais. Même de l'eau buvable, payant, il n'y a pas. Ali refuse. L'électricité, il ne donne pas au peuple gabonais. Il veut que le peuple gabonais puisse mourir. Ali est mauvais. Ali est mauvais. Oui, il est très mauvais. Pire que Ali, il n'y en a pas. Mais Ali est un enfoiré. Un enfoiré de merde qui veut voir pas mal de Gabonais et Gabonaises dans le couloir de la mort. Ali, une menace entièrement du peuple gabonais. Gabonais de ce nom, Gabonaise de ce nom, mérite d'avoir droit à la vie comme tout le monde. Mais Ali, un Biafra de merde, Ali Bongo XPD, Iboubou, pour lui, Gabonaise, Gabonais doivent être dans le couloir de la mort. Ali est un franc-maçon, mais baptisé franc-maçon dans la Grande Loge en France, mais Ali est un franc-maçon-sorcellerie. La vérité doit être dite. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Remix. 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 Même de l'eau potable, Ali refuse au peuple gabonais. Même l'eau des bouteilles payantes, il n'y a pas pour le peuple gabonais. Pour Ali, c'est mieux de voler immensément les mallettes, les valises envoyées en direction de l'Élysée. Qui est égal la France-Afrique de merde. Pour Ali, refuser de l'eau aux Gabonais, c'est normal. Pour Ali, ne pas donner l'électricité au peuple gabonais, c'est normal. Mais moi, Luthier, je dirais ceci. Ali, tu es un pyromane, tu es un psychopathe, tu es un mythomane. La vérité doit être dite. Les femmes au Gabon n'ont même pas la possibilité, quand elles sont enceintes, de mettre au monde sur un lit. Mais qu'est-ce qui se passe? Elles mettent au monde en plein sol. Et après, elles dorment au plein sol avec leur nouveau-né. Le cordon ombilical, même pas coupé. Aucun médecin ou une infirmière ne peut pas venir couper parce qu'elle demande à la mère. Vous avez l'argent pour payer? Payez-nous et nous coupons le cordon ombilical. Qu'est-ce qui ne va plus? Qu'est-ce qui ne va plus? La société, elle est gravement malade. Malade, parce qu'en réalité, des femmes enceintes
de ce nom devront être secourues. Est-ce qu'elles sont secourues? Non. On les abandonne à eux-mêmes, exactement comme les prisonniers politiques ou d'autres prisonniers au Gabon, à Libreville, abandonnés à eux-mêmes. Les mamans qui accouchent en plein sol sont abandonnées à eux-mêmes, comme les prisonniers politiques ou d'autres prisonniers qui ne sont pas des prisonniers politiques, mais qui sont derrière les barreaux au Gabon, à Libreville. Une souffrance à Béron. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'eau pour prendre une simple douche. Brosser les dents, ils n'ont pas. Mais ça fait mal. Si vous rentrez dans la prison au Gabon, vous allez pleurer. Partout, vous verrez des puces, des cafards, des fourmis rouges, des fourmis noires, des rats, des souris, il y a tout. Des grosses araignées. Il y a tellement de morts au Gabon, il y a tellement de morts dans les prisons à Libreville. Et quand il y a tellement de morts, ils ramassent les corps et ils font disparaître les corps. Aucune famille au Gabon veut se lever pour faire pour demander où est passé leur bien-aimé. Ils restent calmes parce qu'ils ont peur d'être enlevés par des hommes cagoulés de Ali, l'enfoiré de merde. Ali Bongo, XP, il tue trop au Gabon. Extermination du peuple gabonais. Mais oui, l'accord a été donné depuis l'Élysée. L'Élysée. Depuis le Matignon, ils ont donné l'accord à Ali de zigouer le peuple gabonais. Voilà. Et après, on nous dit que la France, pays de droits de l'homme. J'y crois pas. Non, j'y crois pas. La France, pays de droits de l'homme, j'y crois pas. Non. La France, pays de droits de l'homme, j'y crois pas. Peace and love pour Bertrand Zibi. La libération immédiatement pour Bertrand Zibi et pour tous les prisonniers gabonais. Je vous remercie. Bye bye.